Et salut tout le monde! Alors, on va couper la musique. On va couper la musique, virer le casque, parce que j'ai plus de batterie sur mon casque. Donc aujourd'hui, on va se faire un petit live sans musique. Et ça sera très bien aussi. Comment ça va? Hop là! Nous sommes dans le hangar, avec bien sûr une qualité audiovisuelle hors du commun, évidemment. Évidemment, hein, ici la lumière, elle est très très bonne. Et salut, salut François, salut Calimero, salut Gossia, salut Montgomery, salut Doom. C'est Jordan. Et salut Bolas. Comment ça va aujourd'hui? Bon, on va checker la caméra. Bon, quand la caméra elle est petite, ça va, la qualité est pas si dégueulasse. J'aimerais bien faire une petite vidéo avec ça, avec le stream d'aujourd'hui. Alors attendez. Streamcam. Plutôt bien, et toi, comment tu vas? Bah, moi, ça va très bien, ça va très très bien. Super bien avancé, j'ai envoyé tous les colis. J'ai oublié de faire les stories, mais voilà, ça va très bien. Bon, c'est toujours un peu le bazar derrière. Mais là, moi, ce que je me demandais, c'est là, si je me mets à couper ici, est-ce que vous me voyez? Faudrait que je change un peu l'angle de cam. En même temps, là, on va bien voir le plan de travail, mais à la limite, il faudrait que j'aille couper un peu plus loin. Ça, je peux l'enlever. Les trucs à nettoyer là, un peu dégueu là, histoire d'avoir un plan un peu plus net. Ça, c'est notre boîte qui va nous intéresser, mais en même temps, les gens vont peut-être pas comprendre, donc vas-y, on va tout virer là. Voilà. Regardez, si je me mets là comme ça pour couper. Ouais, on voit ce que je suis en train de faire, vite fait quoi. C'est bien. Wow! Oh, ce bruit! Horrible! Et salut Silveral! Merci pour l'envoi de la commande, aide d'être à demain. Ah ouais, trop cool! Ouais, parce que je te l'ai déjà envo... je te l'ai envoyé hier, Caïmero. Ah salut Didier, tu as reçu le colis, trop cool! Bah du coup, j'avais été obligé de te l'envoyer fin de semaine, puisque c'était pas possible. Putain, mes cheveux par contre, ils font un bordel! Mes cheveux, ils ont pris le vent, c'est Bozo le clown! Bozo est dans la place. Bon, allez! Aujourd'hui, on est parti. Ah, on voit tout le setup et tout, avec le micro et tout. On va mettre le micro de l'autre côté. Aujourd'hui, on est parti pour faire une réplique du premier théorème qu'on a fait, parce que clairement, le prototype, il est concluant. Donc, on va se refaire ça. Par contre, c'est vrai que la dernière fois, j'avais fait un système, j'avais bricolé tout un système pour faire une rainure. Je sais pas où je l'ai mis, mon truc. Ouais, j'ai bricolé tout un système, Je me suis un peu fait chier, mais je l'ai foutu où ce truc-là? J'ai bricolé tout un système et puis je l'ai perdu. Ça, c'est pas malin. C'est pas malin que ça. Bon, de toute façon, la porte, on n'aura jamais le temps de la faire aujourd'hui. Donc, c'est pas très grave. Hein, on verra ça plus tard. Je sais pas où est-ce que j'ai mis ça. Où est-ce que j'ai pu mettre ça? J'en sais rien. J'en sais rien. Ah ouais, hier t'as pas vu. C'est vrai que t'étais pas là hier. C'est quoi ce boucan? Il y en a qui essayent de faire la sieste. T'as vu le truc que je t'ai envoyé sur les Goliathus? Non, pas du tout. J'ai pas du tout envoyé ça. Non, mais il est là mon truc. Il y a mon truc. Non, mais c'est bon. J'ai pas du tout vu ça, Cruce. Désolé, désolé. Allez, on est parti. Alors. On va enregistrer ça. On va enregistrer un petit truc, une petite intro. On va essayer de se faire une vidéo YouTube en même temps. Et salut YouTube! Aujourd'hui, on fait un tutoriel en live sur la fabrication d'un terrarium pour Cetuan. J'ai fait un prototype il y a à peu près un mois. Et donc, du coup, j'en fabrique un deuxième parce que ça marche bien. Et donc, c'est parti! Let's go! Hop là! Je ferai un peu de montage. Flo qui regarde son téléphone, ça n'existe pas. Mais non, mais j'ai pas les notifications en fait. Vous croyez que je passe mon temps à regarder Instagram? Vous croyez vraiment? Non, j'ai pas vu. Je vais adorer, mais trop cool. Regardez, ça a l'air hyper complet. Ah ouais. Bon, je regarderai tout ça. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors moi, j'ai fait mes codes, j'ai fait mes plans, donc on est parti tout de suite sur les découpes. Puis voilà, je vais regarder au niveau de mes chutes de la dernière fois, si j'ai des chutes qui vont m'aider, enfin qui sont intéressantes ou pas. Ça,
Celle-ci, elle fait combien? Oh, celle-ci, elle est bien, celle-là. Celle-ci, elle est bien. Alors, je dois... À la limite, dans la vidéo, je vous mettrai toutes les cotes et tout, si ça vous intéresse, pour le reproduire chez vous. Le terrarium. Ça pourrait être intéressant. Hop là, il m'en faut des comme ça. Du coup, il m'en faut 4 pièces comme ça. Plus après, il y aura une pièce pour la porte, mais la porte, je rainurerai avant, comme ça, ça sera plus simple. Ah, un code d'étiquette, quoi. Ils te foutent des étiquettes là-dessus. C'est génial. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous envoyez, là? Et allez pas me faire bannir ma chaîne Twitch, là, envoyer des conneries dans le chat, là. Bon, c'est pas grave, l'étiquette, de toute façon, on la planquera. Hop là, paf. Ça, va falloir vraiment mettre sur l'extérieur. Et du coup, des pièces comme ça, il m'en faut 4. Bon, puis on va essayer d'aller assez rapidement cette fois-ci, hein. On va essayer de ne pas perdre trop de temps. Allez, let's go. Commencer par là. Par contre, c'est quoi? C'est des 2 mètres. On va essayer de ne pas faire trop de chute quand même. Là, il me faut... C'est du 35 en gros. 35. Mais il me faut encore des 35 après. Là, c'est 345. Mais... D'ailleurs, j'ai pris 345 ou j'ai pris 35? Vérifions. Vérifions la cote. Non, 345, c'est bon. 35 fois 2,70 fois 4, 2,40 m. Après. 70, 1,40. 1,40. Je peux faire 2,80 dedans après. Donc, en gros, je dois faire une pièce, deux pièces, trois pièces, quatre pièces. 4 pièces maximum. Et après, je dois partir sur une plus petite. Donc, ouais, donc il faut que je fasse sur celle-là. Ok. Désolé, hein, je réfléchis. Bon, il y aura les bruits de scie, tant pis. Hein. Tant pis. Hein. Vous me direz si c'est vraiment trop insupportable. On va faire le test. Est-ce que c'est insupportable ou pas? Est-ce que je dois couper le son ou pas? C'est cahier qu'on voit des trucs bizarres. Vous avez perdu vos oreilles ou pas? Ça décape? Ok. Bon, vas-y, bah je coupe, je reviens. Vous voulez choper des acouphènes avec le son aussi fort? Vous êtes devenu sourd, c'est vrai? Oh putain, non. Je vous ai détruit les oreilles. Non mais vraiment, non. Normalement, il est censé avoir un minimum de compression sur le son. Bon, en tout cas, moi, j'ai mes 4 premières, là.
Il me faut donc la suite, c'est 4 de 2 de 28. Donc 4 de 28. Sachant que là ici j'ai une perte parce que j'ai un nœud. J'ai un nœud 30, putain 90, fait chier. Ouais, avec le nœud je suis baisé. 35, 70, je pourrais faire 2 de 70 là-dedans. Je pourrais faire 2 de 70 là-dedans. Alors je vais récupérer là ici. Et je vais partir là-dessus. Je vais pas m'embêter. En même temps, ouais, 70 si j'en aurais besoin après, ouais, donc ça ira. Hop là! T'es tard de quoi? Allez, je coupe! Hop et là, me revoilà. Super, et bien écoutez, on a le devant, on a derrière. C'est parti pour la séance de l'agrafeuse en boucle. C'est parti pour les agrafes. Et je pense pas à ma vidéo, je voulais faire une vidéo là. Et voilà, maintenant qu'on a coupé nos pièces... C'est parti pour l'agrafage. Hein ? Pourquoi est-ce que je peux ? Il y en a déjà dedans. Allez, c'est parti ! On agrafe tout ça. Let's go ! C'est pas bien compliqué, là. On a juste qu'à y aller. Par contre, comment j'ai pris mes cotes ? Merde, j'ai pas pensé à ça. Mais c'est intérieur ou extérieur ? Attendez, je vais voir comment j'ai fait dans le terrain, mais je crois que c'est comme ça. Ça se passe ? J'attaque. Le tassage ! Oh merde ! Ça va ? Ouais, bon. Là, ça va, ça te semble... J'arrive. Ah putain, attends, putain, je sais pas comment j'ai fait. J'ai pas calculé mon truc. J'ai pas fait comme j'avais fait au départ, en fait. Ah, j'ai pas bien calculé mon truc. Quel couillon. C'est pas grave. Ça reviendra même. Oh, t'as bien tassé. Tu peux le mettre au sol et puis... Oh, c'est ce que j'ai fait. Hein. Ah bah, c'est bon. C'est bon. T'as plus qu'à mettre les branches par-dessus et tout le tralala. Ça roule.
Oula, il y a de la flotte partout là. C'est toi qui a. C'est toi la flotte? Ouais, bon, ça va alors. En fait, j'ai pas fait comme l'autre côté. Alors, il faut que j'aille vérifier quand même une côte. Oui, bah, j'ai vu ta réflexion, François. J'ai vu. Non, François, il me dit. Est-ce que t'as compté l'épaisseur du bois cette fois-ci? D'ailleurs, là, putain, mais j'avais 34,5 et là, j'ai 34. Non mais c'est bon, c'est juste qu'en fait, j'ai pas bien recalculé mon truc et au lieu de me mettre à l'intérieur, j'ai pris les côtes autrement. Mais c'est pas grave, c'est juste qu'avant j'avais mes barres qui venaient au-dessus et là elles viendront à l'intérieur. Mais ça revient au même au niveau de ma côte, je suis bon. Et le cul. En pleine réflexion entre Réduve ou Typopeltis Deli, qu'est-ce que c'est que ça, Typopeltis? Allez, c'est bon, on y va. La seule différence, c'est que c'est vrai que j'ai mesuré avec l'épaisseur de la bâche, donc celui-là, il fera 5 mm de plus, le terra, mais bon, ça, on s'en fout un peu. Bon, là, je mute pas le micro pour ça, hein. Vous avez pas à m'en vouloir, merci beaucoup. Allez. Fixer ça avant, ce sera mieux. Oula. Je suis bien décalé là. Ça commence. Voilà. Ça, c'est rattrapé directement. Et Dieu, vraiment très impressionnant. Une Europiche d'Asie, ah oui, ça c'est sympa. Un peu partout sur les groupes, mais t'as du mal à trouver en dispo. Ah, Europiche. Après, Réduve, bon, ça se trouve assez facilement, mais Europiche. Je sais pas si ça s'élève les Europiches aussi. Ah, vous êtes en train de lancer une mode des réduves, c'est terrible quoi. Trop bien. Ça fait un moment que je trouve que les réduves c'est sympa et que c'est sous-coté. Mais bon. Disons que là j'ai trouvé des encore plus grands passionnés de réduves que moi ici. Voilà, ça sera encore mieux. Allez, on continue ici. On va fixer toutes nos attaches, nos agrafes. Ici, je suis pas vraiment très, je suis pas hyper bien d'équerre au niveau de ma coupe. J'ai une vieille scie et ma vieille scie. Coupe pas bien droit. Et l'opérateur là, il sait pas mettre les agrafes correctement. Hein. Dis donc, finesse. Il va tenir au ce coin là. Hein. Hop là. On verra rien du tout de toute façon. C'est l'avantage, tout sera caché.
Et là, il faut que je me teste quand même sur ma capacité à en faire des terrariums comme ça rapidement, parce que j'en ai un paquet à faire. Alors, c'est sûr que ça ne sera pas de la qualité professionnelle, tout parfait. Mais bon, c'est du terrarium pas trop cher, qui va bien servir et pas trop long à mettre en place. Et ça, c'est une super qualité. Quand j'ai la lumière de mon escalier qui arrête pas de s'allumer et s'éteindre, c'est génial. Ah, il n'y a plus d'agrafe. Moi, des réducts, j'en avais plein dispo, mais là, j'ai plus grand chose. Hein. Mais je me suis un peu flingué sur mes réducts, j'avoue. Elles étaient en boîte en plastique et je trouve elles se plaisent pas hyper bien, quoi, en fait. Puis je m'en suis pas hyper occupé non plus parce que, en fait, j'avais tellement personne qui en voulait des réduves que, si vous voulez, je me suis dit, bon, bah, ce qui survit, il survit, quoi. Ce qui survit pas, il survit pas, quoi. Je vais pas en garder, je vais pas en faire collection, quoi. Et puis là que j'ai hyper diminué mon élevage, tout le monde en veut. Mais je vais relancer ça tranquillou et puis peut-être mettre ça. Après, moi, je veux pas mettre ça en valeur parce que c'est quand même... C'est sympa, les réduves, mais c'est quand même pas pour les enfants, quoi, entre guillemets. C'est pas pour n'importe qui, donc... Les réduves, elles seront jamais très, très mises en valeur sur le site avec ça, quoi. Je veux qu'il y a que les gens qui vraiment s'y intéressent prennent des réduves. Je veux pas qu'il y ait des achats coup de cœur sur les réduves, quoi. C'est... Vraiment pire truc, quoi. Pour un public averti, ouais. Pourquoi ? Parce que si tu te fais piquer, ce qui est très très rare, ce qui est souvent le cas quand tu les attrapes, bah ça fait hyper mal, quoi. Donc, toujours un peu embêtant. Allez, la suite de notre bricolage. Pour la suite, il nous faut 4 barres de 35. Alors, on y va tout de suite. Si la commande, c'est 4 barres de 35, je m'exécute. Hop là, c'est parti. Je vais faire un meilleur tri. Hop là. J'ai oublié le son, désolé! Ah, me voilà. Tant pis pour moi, tu repars sur LOL. Comment ça? Tu peux pas t'enfuir. Tu les manipules pas, tu prends une pince. Ouais, c'est clair.
Elle monte sur toi dès que tu m'as mis en distance. Ouais, non, mais c'est ça. Mais en fait, les amis, faut aussi penser à un truc. C'est que je sais pas si vous y pensez, parce que, bah, voilà, vous êtes passionnés et tout. Et bon, franchement, c'est pas... C'est un peu... Ça va faire un peu rabat-joie, hein, de ma part, entre guillemets. Mais faut pas oublier un truc, c'est que... on est dans une passion qui, pour l'instant, n'est pas emmerdée. Donc, il faut pas non plus trop partager des espèces comme ça qui sont un peu vénères, parce que le jour où il y aura, je sais pas, un gamin qui va se faire piquer ou quoi, on n'est pas à l'abri que l'espèce, on veuille l'interdire ou quelque chose comme ça. Rempli comme ça avec à peu près tout le collection qui restait. Ah, il y a bien plus du tout. J'ai raclé. Dans l'eau, ah ouais, donc il y a plus rien. Bah, merde, attends, on va regarder. J'en ai pas fait assez en fait. Ça, tu l'as tassé ou ça, non, pas trop. J'ai fait un gradient quoi. Au début, t'es un peu plus épongé, puis à la fin. Ouais, alors là, ce qu'on va faire, c'est parce que là, t'as plein d'eau. Mais on va le passer au tamis. Mm-hmm. Et puis on va le mélanger le reste avec du sec. Et comme ça, ça fera un gradient et ça sera pas mal. Bon les amis, petite pause. Alors fais gaffe par contre, il y a la porte. Faudra fermer la porte. Petite pause pour l'installation des lucarnes. Des lucarnes. Alors. Hop là, on va. Ça. Utiliser ça, mais. C'est le tamis que j'utilise aussi pour la merde, alors. On va nettoyer un peu ça, ça c'est pareil, ça pue un peu. Voilà. Ce que tu vas voir, tu vas en récupérer quand même du substrat. Hop là. Ouais, un peu. Un petit peu quand même. Mais bon, c'est pas énorme non plus. Hein. Parce que j'essaye des techniques, genre de faire tourner et d'attendre 2 minutes. Non. Il n'y a pas trop de techniques à avoir là. Faut juste... Voilà, et puis tu rajoutes un peu de flakes secs, ouais. Genre 50 flakes mouillés, 52 flakes secs, et puis tu rajoutes ça par au-dessus, des branches, tout ça, et puis on est bon. T'as pris les photos au fur et à mesure ? Ouais, j'ai pris les photos. Nice. J'ai pris les photos tout au-dessus, tout en bas, j'ai mis un tout petit peu, puis après j'ai refoutu les... Oh, nice. Les bois, j'ai pris les photos. Parfait. Le reste, j'ai pris les photos. Nickel. Allez, nous, on va continuer le bricolage avec les vis, les bonnes petites vis. Par contre, où est-ce que j'ai mis le fourré? J'avais un tout petit fourré. Ça va dans les chats? T'as vraiment un coup de cas, tu regrettes rien, mais trop cool. Demande à Seco, elle a une vingtaine de la taille des miennes. Ouais, mais ça marche bien. Mais en fait, le... On m'avait donné plein d'œufs de Psitala et je pense que la personne elle les a laissés sécher ou quoi parce qu'il n'y a rien qui sort quoi. Mais pour le reste des réduves, je pense que ça sera peut-être une mission de la semaine à faire, Quentin. Bah les, tu vois les réduves, les punaises assassines. Ah ouais. Elles sont dans des boîtes en plastique et ça avait marché au départ, tu vois, mais je sais pas, j'aime plus trop et puis j'en profite pas, je trouve ça pas terrible.
Donc faudra qu'on leur fasse des terras, surtout que là, il y a de quoi faire en fait, tu sais, les 30-30 là. Ouais. Je pense que je vais les foutre dans les 30-30 et puis les élever un peu tous ensemble, et puis comme ça, il y aura des bébés de temps en temps, quoi. Faudra qu'on essaye de se poser là-dessus. Allez, petit prépersage. Let's go. Oh, c'est bien le niveau quantité. Ouais. Parfait. Et du coup, je mets tous ceux qui sont dans la petite boîte. Tous ceux qui sont dans la petite boîte. Est-ce que ça, c'est pour quelle espèce ? Ça, c'est pour les homodérus, ceux que tu as pris en photo. Le gladiator avec le orange avec les, ouais, les mandibules. Ok. Et du coup, je mets ça là ou je les mets dedans ? Tu... Bah, écoute, si tu veux, on pourra les mettre dedans ensemble. Mais il faut que tu... faut encore que tu mettes des branches et tout, et à bouffer. C'est juste que ce qu'il y a dans les boîtes, faut pas le mettre, c'est de la tourbe de coco. Ouais. En vrai, tu peux les mettre dans la boîte, hein. C'est juste que... une fois que ta boîte elle est finie, tu les claques dedans et puis c'est tout. Hein. Sur YouTube, il n'y a pas grand chose. Ça chante, ça chante. Dans le 45-45-60, elle grimpe partout, les réduits. Ouais, c'est clair. Mais moi, je vais pas mettre ça dans un 45-45-60. Hein. C'est grand. Après, en fait, j'en ai d'autres, des terras. Peut-être que je les mettrai dans d'autres terras, mais... là, j'en ai plus beaucoup, beaucoup, des réduits. Donc, pour l'instant, j'aimerais bien les passer dans ça. Faudrait que je regarde, j'en ai d'autres, des terras, mais... non, mais 30-30. En vrai, 30-30-30, avec plein d'écorces de liège, ça sera déjà très bien au départ, quoi. Après, mon objectif, c'est pas non plus de faire des terrariums très plantés et tout, quoi. La banane, c'est où ? Elles sont là. Non, pas là. Non. Ça, c'est un concombre. Ça, c'est un... tiens, hop, banane. Allez, let's go. Un petit fraisage. Juste histoire que mes têtes de vis s'y passent pas. Ça pousse bien ? Des smoxites ? Trop cool ! Dexmocytes, c'est sympa ça. Je sais pas si tu connais les Quentin et Dexmocytes. C'est Yul Dragon. Je montrerai la photo, c'est sympa. Moi, je me suis loupé. Elles étaient pas très belles de base alors bon. Ça a pas aidé, disons. Hop là. Ah oui, punaise, c'est vrai ça. C'est vrai que j'ai reçu des mantes tout à l'heure. J'ai essayé de s'acclimater. Je les ai pas encore installées. Bon, elles avaient plein de drosophiles, donc ça va. Mais il faudra que je les installe à la fin du live. De toute façon, le live, je vais pas trop le faire traîner. 17h30. Pas trop faire traîner le live. C'est vrai que je vais m'occuper de ça. Bon, après, les idolos, c'est pas dur à installer. Tout le monde va ensemble. Ouais, tout le monde va dans un seul terrain. Donc c'est facile. Après, j'ai reçu de la créobroptère, et la créobroptère, faut les séparer. Mais bon, c'est pas très long à faire, c'est juste qu'il faut que j'y pense. Est-ce que ces vis-là, elles seront bien ? Oh, ces vis-là, elles sont très bien. J'en ai pas beaucoup des grosses, par contre. Faudra quelques-unes en plus des grosses. Tac. C'est pas bon. C'est quoi ces vis toutes mélangées là ?
Oh, je vais manquer de vis, quoi. On en est là. On en est là, les amis. Ça coule encore ? Non, non, là, c'est bon. Mais je trouve que ça... Ah ouais, tout à l'heure, c'est tout à l'heure, il y avait un problème. J'ai reçu Idolomantis Diabolica et Crebrotter. Crebrotter Yunan. Idolo, je les laisse acclimater une semaine et puis après, elles partiront à la vente. Oh Bastien, t'as fait tourner la roue de la fortune, mais aujourd'hui on est en stream bricolage, pas de roue de la fortune. On pourra le... S'il y a quelqu'un qui pourra rembourser Bastien, on fera la roue de la fortune plus tard. Aujourd'hui, il n'y a pas le temps. Puis vous, faut que vous me demandez avant de faire tourner la roue de la fortune, bande de petits chenapans, là. Faut que vous me demandez, parce que des fois, ça marche pas, donc... En plus, là, j'ai même pas le son, donc je vous entends même pas, quoi. Putain, mais je vais manquer de vis. Je suis dégoûté. Je n'avais pas du tout... Ouais. Okay. Il faut faire marcher ta mémoire, jeune padawan. Ah, je vais te les sortir. Ah non, 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 c'est les boîtes que tu cherches. Putain, quel con. Je t'ai pas filé les boîtes. Je suis un couillon. J'ai oublié. Les boîtes, elles sont là. Regarde, tu vois, c'est les grandes boîtes là. Et les couverts qui sont dans le lave-vaisselle. Ouais, ouais, ouais. 2, 4, 6. Punaise, il va me manquer deux vis, quoi. Attendez, je reviens sur le stream. Bougez pas. Je sais pas où est-ce qu'elles sont passées, j'en avais plein des comme ça. Cahierie a bien diminué, hein. Je vais en mettre des comme ça, mais là c'est vraiment grande, quoi. Oh, tu me diras, j'aurais pu peut-être mettre ça. Ça, c'est vraiment des grandes, hein. C'est pas grave, on va en mettre de grandes. Remboursement effectué. Ces space, les adultes sont tous morts, plus rien, puis pouf, plein de bébés. Ouais, c'est un peu bizarre, hein. C'est un peu bizarre. Moi, j'avais eu ça aussi avec les... Avec cette espèce-là, j'avais eu plein de bébés. Et puis, bah, au final, ils ont fini par un peu claquer. Ils se sont pas bien développés. Le gars, il stream pour lui tout seul, c'est ça. 5 euros les idolos. Exactement, 5 euros les idolos. C'est ça. Bien sûr, et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Ah, j'aurais bien aimé atteindre qu'elle mue quand même au moins une fois les idolos, mais on verra. Ça dépend si elles sont au taquet ou pas. Parce que j'en ai reçu début décembre et ça a été la cata. C'était pas terrible. Père Noël est passé le mois dernier, exactement. Les petits malins. Petit malin, oh, mais c'est pour le Père Noël, mais c'est mon cadeau de Noël. Non, il n'y a pas de ça. Il va falloir aligner les bifetons, je vous le dis. Ça va pas.
Mon avant-trou fonctionne pas. Ça m'énerve. Voilà. Tu deviens de plus en plus vénal, le gars. Exactement. C'est presque le prix chez Exofactory. Chez Exofactory, tout est toujours à 5 euros. C'est le principe. C'est le principe. Par contre, tu reçois jamais rien. Donc si tu veux, 5 euros pour du vent, c'est toujours trop cher payé pour rien. Ça bouffe le concombre. Tu vois déjà des bébés quand les adultes sont morts. Mais trop cool, trop cool. Moi je réessayerais bien si vous en avez un de ces quatre. Ça me dit bien. C'est joli comme bestiole. Après moi j'étais déçu, c'est que c'est vachement petit quoi. Je voyais ça beaucoup plus grand sur les images. Je me suis fait un peu surprendre par la taille quoi. Pour éviter que ça tourne, on viendra mettre des agrafes, mais on va quand même mettre des vis. Ah ouais, t'as l'impression que c'est super grand, hein, les desmoxytes, et en fait, les trucs, c'est minuscule, quoi. Hop là. Tu m'as perdu. Mais attends, je file ça et je te sors les boîtes. Ça sera plus simple parce que là. Et voilà! Bien cintré comme il faut, mais c'est pas bien grave. Alors, les mantes. Oui, c'est ça. Biocellata, ouais, ça c'est bon. Et après, c'est celle-là. Ok. Ok, je te mets là? Je te laisse ça comme ça. Ouais. Tu disais? Et celle à renourrir, c'est celle. Ouais, c'est celle-là. Les deux caisses en haut et les quatre caisses, les trois caisses là. En haut, c'est des drosophiles. Ok. Ceci, il faudra les ranger quelque part en fait. Ça, c'est nourri. Oui. Ouais, du coup, c'est juste les trois caisses. Ouais, trois caisses là et les deux au-dessus là. Les deux là. Ouais. Ok. Pardon? Ou à la mouche. Ouais, la mouche, celle que tu sépares, grosse mouche, et les autres petites mouches, quoi. Alors, maximum 3 cm, ouais, là, j'avoue, c'est minuscule, hein. Tu m'apprendras à percer droit. Ouais, non, mais tu sais, on n'est pas là pour se faire chier, hein, je sais faire les choses bien quand j'ai le temps de les faire. Putain, par contre, j'avais pas vu ça, mais il y a le. La saloperie d'étiquette qui s'est retrouvée là. J'avais pas vu. C'est pas si cintré que ça, hein. Franchement. C'est pas si mal pour un truc fait en quelques minutes. Alors, par contre, c'est comme ça. On est quand même bien, bien cintré là, de ce sens-là. C'est même pas une question de percer droit, espèce de mauvais. C'est une question que la scie anglaise, elle coupe pas très droit non plus, donc ça aide pas.
Là, faut juste qu'on redresse un peu avant de d'envoyer sur le. Avant d'envoyer les agrafes. Non, mais par contre, là, il y a un problème, c'est que je suis pas bon là. Pourquoi je suis pas bon là? Là, on a un souci. Putain, mais je me suis viandé comme la dernière fois. Je me suis reviandé comme la dernière fois. Mais putain, mais c'est terrible. J'ai fait exactement la même chose que la dernière fois. En fait, j'ai pas compté mes épaisseurs de l'autre sens. J'ai tout compté de ce sens-là, mais pas de l'autre sens. Non, non, les côtes sont pas bonnes. Les côtes sont pas bonnes. Putain, mais c'est grave. Faut pas que je fasse ça en live en fait. Si je fais ça en live, je me plante complet. Après, est-ce qu'on en a quelque chose à faire? Ouais, si, c'est chiant. Oh, fait chier, putain. Et puis là, c'est celle que j'ai agrafée. Tant pis, on recommence. On prend les mêmes et on recommence. J'ai repris en fait sur mon modèle de l'autre côté, mais j'ai pas réfléchi à ça. C'est pas grave. Rien n'est grave tant qu'on s'en rende compte au moment où c'est corrigeable. Surtout que là, c'est pas grand grand chose à faire. C'est surtout que comme un couillon, j'ai coupé mes. J'aurais dû prendre les côtes de mes lattes, mais en fait je pouvais pas parce que comme c'est planqué de l'autre côté, j'ai pas réfléchi, j'étais trop vite encore. C'est pas grave. C'est juste que j'ai pas beaucoup de temps, mais. Bon, voilà. Arrêtez de faire le couillon au bout d'un moment. Bon, ici de toute façon on est bon, hein. On voulait nos 34 et demi, on est bon. C'est juste qu'il nous faut 28 dans cette longueur-là. Il faut 28 dans cette longueur-là, alors que là on a 32,5 de toute façon. En fait on a des. Ici ça fait 2. Normalement ça fait 22, mais je sais même pas. Les côtes elles sont même pas bonnes de base sur les tasseaux. Alors. On va dire que ça fait 2 cm, donc il faut que je m'enlève 4 cm de chacune des trucs. Cm ici. Et 4 cm ici. Là, on est à peu près, ouais, on est à 2-1, ça ira. J'espère que je vais pas autant galérer demain pour faire ton 30-30. Oui, non, non, mais prends des repères de montage. Ouais, non, mais là, fallait juste réfléchir, c'est tout. Écoute, ça, je me suis fait. C'est la scie à ongles qui coupe pas la bonne côte. Mais non, mais c'est pour le cintrage! Oh là 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 là. Allez, allez, c'est bon, je coupe ça, je coupe ça.
Et c'est le maître qui s'est trompé. Il s'est trompé, le maître. Tu rentres du taf, salut Saku. Palworld, Miam et Dodo, Palworld. Putain, tout le monde est sur Palworld, quoi. Truc de fou, Palworld. Pas vous mentir, j'ai grave envie d'y jouer aussi, mais bon. J'ai déjà trop de jeux. Oh là là, là j'ai pété mon tasseau. Oh là, bah là. Oh bah celui-là. Celui-là, on est bon pour le refaire. Oh bah voilà. Allez, c'est bon. Poubelle là. Poubelle, on y retourne. Ça aurait pu être pire, j'aurais pu devoir tout recommencer, c'est ça qu'il faut se dire. Palworld, mauvais arc inspiré de Pokémon. Ah, j'avoue, en fait, ça m'a juste donné grave envie de rejouer à Arc. Mais je peux pas, Arc, c'est un jeu de chômeur. Je suis désolé, les amis, si vous jouez à Arc, mais. Arc, c'est bien quand on est en vacances ou au chômage, quoi. Allez. Je recoupe le micro, j'arrive. Allez, me revoilà, c'est parti. Allez, que ça saute. C'est pas comme si j'avais du temps à perdre. 17h50 déjà. Et on n'est pas encore bon là. Qu'est-ce que j'ai fait là? Non, je suis pas bon encore. 34,5, mais là je suis pas bon. Hein. 28,5, mais putain, mais ce tasseau là! Ah bah c'est sûr, il y a des tasseaux qui font 2, des tasseaux qui font 2,5 quoi. Ouais, je suis pas parfait, mais. Que je reprends un demi centimètre ou pas, c'est. Non mais là ça va aller, c'est. Normalement c'est à peu près 28,5, j'avais pris 28. Ouais non ça va aller. C'est pas trop problématique. Ça va être la faute d'un stagiaire, n'importe quoi. J'ai jamais dit ça moi, c'est. Je sais pas qui a dit ça dans le chat, c'est pas moi. On va oublier le tuto YouTube. Hein. Ouais, beaucoup trop d'erreurs. Et c'est tombé. Hein. En même temps, les gens, ouais, ils regarderont sur les photos et puis ils s'inspireront. Et puis c'est tout. Hein. Merde. Pas besoin de tout expliquer non plus. Hein. Mais bon. Les marques, toujours tout expliquer.
Hop là. J'ai pris des 20 par 25. Je te déteste. Voilà ce que je te dis. Je te dis prout. Je te dis prout. Voilà. Voilà ce que je te dis, moi. Je te dis prout. Tuto MDR mal barré. MDR mal barré le tuto, hein. La dernière fois, mes rainures. Ça marchera jamais, ça marchera jamais, ça marchera jamais. Ça marchera jamais, les rainures. Tiens, ça, quand ça a marché, les rainures, voilà. T'as même dit que t'étais impressionné, alors, hein, prout. Voilà. Là, ce que je vous réponds. Je réponds prout orageux que vous êtes. J'ai hésité à faire un live ce soir, j'aurais pas dû faire de live, voilà, vous méritez pas. C'est tout. Mais au moins, j'aurais fait mon début de terrarium, et ça, c'est bien. Je le finirai tout seul. C'est encore 5 qu'il faudra faire. Non, mais c'est bon, les tutos, j'en ai marre. Mais non, pas toi, François. Pourquoi on s'en visait? On s'en visait ou quoi? Non, c'est Calimero. Il croyait pas en moi avec les rainures. Tu fais des super rainures, mon terrarium, il est super beau. Vous êtes des jaloux, c'est tout ce que vous êtes. Vous êtes des gros jaloux. Allez, on reprend ça. Là, on parle d'un terrarium qui est fait quand même en... Allez. 4 heures, quoi. Même pas. Pour un coût total d'une... Même pas une vingtaine d'euros, quoi, donc bon. Regardez comment il traite sa communauté. D'habitude, c'est toi. Vous avez l'habitude, vous aimez bien. Minutes, c'est un plan, une prise de code avec un mètre. Ah oui, bah c'est sûr, en prenant 1000 ans pour faire un plan qui sert à rien, je me gourre parce que je suis en live. Quand j'étais pas en live, vous inquiétez pas que je me suis pas gouré. Hein. J'aurais pas couru dans le froid tout à l'heure pour revenir à temps pour faire le live. Je pense que les choses se seraient passées autrement. De toute façon, ça sert à rien de vouloir faire un truc pile poil, etc. Bah là, les cotes, franchement, je me suis fait avoir comme un couillon, quoi. Au lieu de calculer le truc moi-même, je me suis dit, bah, je vais reprendre sur mon modèle d'avant, et puis bon, c'était un truc de con, mais c'est tout. Après, on n'est pas sur un stream de menuiserie, ça c'est sûr.
Pseudacanthops qui arrive demain. Oh, c'est cool ça. Moi j'ai un mâle qui vient de passer adulte. Alors j'espère pouvoir le raccoupler avec mes vieilles femelles. Et j'ai eu des bébés cette semaine. Pesetia qui arrive, ouais. Tu vas refaire des terrains avec de la mousse et du lichen. Trop cool. Salut Alain. L2, L3, oh putain. T'as tenté le truc quand même avec les L2, L3. Non. Pourquoi pas. Après ça grossit relativement bien, c'est le sub-adulte. Les mâles, c'est vraiment une merde. Enfin, moi je suis vraiment déçu de Pseudacanthops, hein, je vais pas vous mentir. Ça, j'ai vraiment pas pris de plaisir quoi, avec cette espèce. C'est très joli. C'est très joli, mais si ça marche... Je continuerai à l'élever parce que bon, c'est sympa et puis bon, c'est joli. Si ça marche pas, je recommence pas. Après, ça dépend le prix que tu les as touchés, quoi. Parce que bon, vu le prix que ça se vend parfois, ça vaut pas forcément le coup pour moi. Les mantes que t'as trouvées dehors qui ont fait le low-tech, tu laisses encore dehors? Bah ouais. Ah, le mieux c'est de laisser dehors tout le temps. Hein. Au pire, aménager un truc pour récupérer les bébés ou quoi, mais. Vaut mieux, de toute façon s'il fait froid dehors, il fait froid. Hein. Elle serait dehors là. €100 les 6 avec livraison gratos. Ouh. Pourquoi pas, mais bon. Ouais, 100 € les 6, ça te fait combien? Ça te fait 18 € pièce, quoi. 15 € même pas. Enfin. Même plan pour de la sténo. Ouais, ouais, non. Ouais, je sais qui c'est qui te les a vendus. Hein. Mais. Ça fait quoi? 18 balles, quoi. 16 balles. 16 balles la menthe L2, L3, quand même. Je trouve ça surcoté, mais bon. Après, en fait, ce qui fait chier avec cette espèce, c'est que un de ces quatre, je pense qu'elle, qu'elle sera vendue vachement moins cher, quoi. Quand on va commencer l'élever, mais bon. Ah non, c'est pas pire qu'Idolo. Élever, c'est pas pire qu'Idolo. Bon, c'est sympa. Hein. Moi, j'en ai. Il m'en reste encore quelques-unes. C'est sympa. Après, je te dis. C'est pareil, les photos que tu vois sur internet, c'est pas forcément la réalité, quoi, tu vois. Mais après, c'est sympa, hein, tu vois, moi, je suis... Mais en fait, le truc, c'est que à choisir entre Acanthops ou Pseudacanthops, limite, je pense que je préfère les Acanthops, tu vois. C'est plus ça, tu vois. Après, on sait très bien... on aime ou on n'aime pas la tronche de l'Acanthops, tu vois, c'est un peu particulier. Moi, je kiffe. Après, Pseudacanthops, c'est joli aussi, hein, mais en termes d'élevage pur et dur, je préfère l'Acanthops, quoi. Mais bon, j'espère que ça ira pour toi, quoi. Tu vas tester Smooth Silicon, voir si ça influence le physique. Ouais, carrément. Ah non, mais moi, le problème aussi, c'est que moi, j'ai trouvé l'élevage vachement merdique parce que les mâles survivent pas, quoi. Les mâles, ils vivent vraiment pas longtemps. Là, j'en ai un qui est passé adulte, qui était un peu en retard par rapport aux autres. Et je pense que je teste la repro dans une semaine parce que dans 3 semaines, il est cané, le truc. Faut que tu décales à mort, quoi. Ce sera la première fois que tu te mets dans le vent. Non, mais ouais, non, mais faut tester, t'as raison. Après, c'est très joli, hein. C'est très, très joli comme espèce. C'est un peu mon retour, tu vois. Des fois, il y a certaines espèces où je suis un peu déçu, quoi, entre guillemets. Comme les mandragons, là. Sténophila, franchement, c'est à chier comme bestiole. Hein. Je vais pas vous mentir. Ça a une gueule sympa, par contre, c'est à chier. Hein. J'ai jamais réussi à faire bouffer une sténophila à la pince. Ça bouffe pas les blattes. Ça bouffe des mouches. Alors, l'avantage, c'est que ça se tape pas dessus. Hein. Bon, c'est très simple, ça se tape pas dessus. Enfin, c'est très simple. Ça crève subadulte, on sait pas pourquoi. Mais ça se tape pas du tout dessus. Là, les couples, ils sont ensemble.
Alors, tous mes adultes, on va dire, bah 80%, c'est la réalité. 80% des adultes ont claqué avant de passer adulte. Par contre, les deux couples qui restent, ouais, ils sont ensemble. Ils sont ensemble depuis 3 mois. Ils sont en train de créer un petit foyer, tranquillou, quoi. T'as laissé dehors le hot-tech dans une boîte de 5 litres. Bah ouais, bah, tu peux faire ça. Hein. Puis checker un peu, mais il faut que ça monte. Faut que ça monte en chaleur, quoi. Parfois, ça merde chez soi et ça pop de partout chez les autres. Ouais, non, mais carrément. Carrément. Ah, puis après, moi, je sais pas, moi, je suis un peu. Je suis un peu déçu contre la personne qui me les a vendus, en fait, c'est surtout ça. Parce que on te le vend, oui, t'inquiète, ça va être facile, oh, c'est super facile, c'est super bien, c'est super machin. Tiens, prends le machin, prends le truc, je vais te donner des conseils, et puis après, disparition, quoi. Mais bon. C'est comme ça. Pas très fan. Pas très fan de l'expérience. Tu peux la rentrer quand ? Mais laisse-la dehors, le hot-tech ! C'est fou, ça ! Tu me demandes, est-ce que je dois rentrer le hot-tech ? Je te dis de la laisser dehors, et après, tu me demandes, je peux la rentrer quand ? C'est dehors, ton hot-tech ! Truc classico, quand t'as vendu, bye-bye. Ouais, non, c'est ça. Alors, moi, on me les a vendus comme... si t'arrives à faire de la cantops, pseudacantops, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et moi, je suis quand même dégoûté parce que bah, tu feras attention avec les tiennes et ça sera cool, ça fera un retour d'expérience. C'est que moi, pseudacanthops, jusqu'au subadulte, quasiment aucun problème. Mais vraiment, ça s'élève bien, quoi. Là même, tu vois, celui qui est passé adulte, nickel. Par contre, subadulte, putain, mais j'ai eu des pertes et des pertes et des pertes et ça muait pas adulte, quoi. Ça claquait sub. J'ai tout essayé avec elle. J'ai tout essayé. Terrarium naturel. Terrarium pas naturel. Chaleur, pas chaleur, rien. J'ai tout essayé. Je suis quand même parti. J'en avais gardé 10 couples. J'avais gardé 10 couples et j'ai réussi à pousser adultes 2 mâles qui sont morts quand les femelles sont passées adultes. Et sur les 2 femelles qui restent, j'ai tenté des accouplements, mais les mâles, ils n'ont jamais voulu aller sur les femelles. Et là, cette semaine, enfin, je les ai laissés avec les femelles. Les femelles, il y a une femelle qui a bouffé un mâle. L'autre mâle, il est mort dans la boîte comme ça, sans être bouffé. Et cette semaine, il y a une femelle qui a pondu. Au moins, tu sais, mâle fragile, tu les ralentiras. Ouais, non, mais c'est clair, il faut ralentir à mort. Parce que les femelles, elles vivent une plombe. Donc tu vois, celle qui a pondu, je sais pas si elle a pondu non fécondée ou si elle a pondu parce qu'elle a été fécondée. Ça, tu vois, je sais pas. Donc on verra bien. Et puis là, avec le petit mâle qui vient de passer adulte, je vais retenter tout ça. Hein. Mais je te souhaite de réussir, carrément. Et puis peut-être que tu auras le petit truc qui aidera pour l'élevage. En tout cas, tu vois... Aujourd'hui, là, j'ai des Proierodula flavi pénis. C'est pas très grand. C'est hyper vorace. Je kiffe, quoi. Je kiffe, mais vraiment. Alors, Pseudacanthops, en fait, c'est... Pseudacanthops, à la limite, c'est un peu comme l'idolo, quoi. C'est une gueule vraiment ouf. Mais par contre, franchement, entre vivant ou euthanasié, il n'y a aucune différence. T'as vu sur Mystery Mantis, par contre, le tarif ? Flavie Pénis. Pénis. Ouais, tarif de ouf. Hein. Moi, je les ai payés cher. Hein. Je les ai payés cher, celle-là. Mais là, on a réussi une repro hier, hein, sur Flavie Pénis. Les petites bleues. Bon, moi, j'avance plus, moi. Moi, j'avance plus sur mon truc, ça m'a saoulé. J'ai pris des mauvais codes, je me suis merdé, j'ai dû recommencer, ça m'a saoulé. J'ai pris des mauvais codes, j'ai dû recommencer, ça m'a saoulé. Du coup, je crois que je vais arrêter là pour aujourd'hui. C'est pas grave, on reprendra dans la semaine, on a déjà fait ça. Il faut que je remette en route la scie et tout, j'ai la flemme.
Non, mais je me doute, c'est pour ça que je vais prendre le relais, parce que là, je te voyais pas sortir de la pièce, il est déjà passé 6 heures. Il va falloir que je fasse le reste. Bon, les amis, on va couper le stream. Je vais peut-être avoir le temps de finir à peu près de trier. Ah, ça marche, je vais venir te filer un coup de main, et puis... si tu veux partir, tu pars et je finirai. Hein. 50 balles de coupe L4, L5. Ouais, bah, c'est ce que j'ai payé. C'est exactement ce que j'ai payé. Même, peut-être même un peu plus cher. Mais elles sont incroyables. Hein. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. J'ai rarement vu des mantes aussi voraces. Ça se... elles traversent leur bac, elles courent pour aller chercher la bouffe. J'ai réussi à les élever hyper facilement. J'ai juste mis un peu de chaleur. Hyper cool. Hyper cool. Mais ouais, tu tiendras au courant pour les pseudacanthopes, ça m'intéresse parce que c'est pro Hierodula. Parce que pseudacanthopes, j'en ai encore, tu vois. J'en ai encore des petites et tout, donc je vais retenter. Donc tes retours d'élevage m'intéressent. Ça fait pas le mort au moindre truc, quoi, c'est clair. T'as pas vu la photo que j'ai fait de la pseudocanthopse, Sako, sur Insta? Une boule. Trop cool, le bébé Gestroy. Bon, allez, moi, j'y vais. J'ai froid, en plus. À demain. Demain, 16h30. Ciao. Je fais pas de raid, j'ai la flemme. Voilà. Allez, ciao, les amis, à demain.